fais une interview point rare, moi, tu vois. C'est Toxic Avenger en sélector, première. Alors, je suis Toxic Avenger, je fais de la musique électronique, un petit peu pop, un petit peu rock, depuis une dizaine d'années. Et puis, j'ai sorti un album l'année dernière qui s'appelle Angst. J'ai fait d'abord des musiques de jeunes violents, en fait. Le score, le métal, tout ça, c'est formateur hein, pour moi, ça a été hyper formateur. Et je jouais de la guitare et je chantais. Enfin, je chantais, si on peut appeler ça chanter. Hein. Et puis je m'y suis mis parce que je me suis rendu compte qu'avec les filles, ça marchait un chouïa mieux, la musique électronique. Le nom, il vient d'un film qui s'appelle Toxic Avenger, qui est un film hyper débile du milieu des années 80. Et j'ai choisi ça juste parce qu'on m'a demandé un nom à un moment. Et puis j'étais en train de regarder ça et j'avais pas confiance que ça allait me poursuivre pendant 10 ans. Sinon, je me serais appelé un truc beaucoup plus chatoyant. Bad girls need love too. J'ai fait beaucoup les États-Unis. Et puis j'ai fait l'Asie, l'Australie, l'Afrique du Sud, même la Colombie. Ces pays où tu te fais tuer pour une sucette et un bout de, un morceau de sucre. Donc non, j'ai vraiment été partout. Mon nouvel album s'appellera Romance and Cigarettes, ce qui me ressemble assez en fait. Parce que je vis une belle histoire d'amour et je fume beaucoup de cigarettes. Donc le premier morceau, c'est un groupe qui s'appelle La Femme et le morceau s'appelle Sur la planche. C'est un groupe que j'aime beaucoup, c'est des petits jeunes en fait. Et ça me fait vachement penser à Taxi Girl, des trucs un peu début 80 comme ça. Et j'adore ce morceau, c'était le morceau de mon été. Le deuxième morceau, c'est Pusha T et ça s'appelle Trouble On My Mind. C'est pour ma street credibility, voilà. C'est un morceau de hip-hop que j'aime bien, c'est ce qui m'a réconcilié un peu avec le hip-hop indé que j'avais un peu lâché pendant 10 ans, voilà. C'est un super bon morceau. Tripped him, Bruce Palin, then I accidentally shot him. Then it ricocheted and killed the game. I'm a problem, cause I wanna fuck the world, but not a fan of using condoms. Pardon my French, I'm going hard as my dick when I envision my tip on the crust of bitch lips. Le troisième morceau, c'est Ouse de Raquette avec TGV. J'aime bien Ouse de Raquette et j'aime bien ce morceau parce que je trouve ça hyper naïf. C'est hyper difficile de faire un morceau en français hyper naïf et sans passer pour un débilos. Et c'est super frais, c'est bien produit. Pour moi, c'est un peu la réponse d'aujourd'hui française à Trends Europe Express de Kraftwerk. Le quatrième morceau, c'est Robert Palmer. Et le morceau s'appelle Johnny and Marie. J'ai mis ce morceau-là parce que je voulais rétablir un petit peu un truc autour de ce morceau qui a été utilisé pour une pub dans les années 80 et qui fait qu'à chaque fois que les gens l'écoutent, ils pensent à ça. En réalité, c'est juste un morceau assez sublime. Dans ces années-là, t'as les trucs cool et t'as les trucs moins cool. Ça, c'est un truc moins cool, mais que moi, j'adore. Et enfin, mon cinquième et dernier morceau, c'est un morceau à moi parce qu'il faut bien, le faire. Enfin, mon manager m'a dit de le faire, c'est très important, sinon j'aurais mis autre chose. Mais en même temps, c'est un morceau qui est bien, je crois, qui s'appelle To The Sun et qui est en featuring avec Tulip, anciennement Playpol. Un mec qui était chevelu avant et qui faisait de la housse filtrée. Voilà, c'est un des morceaux préférés de mon prochain disque et ça annonce vraiment ce qui va arriver, quoi. Close your eyes to the sun, as you burn.
C'était Toxic Avenger en Selector, c'est fini. Un jour je vais y arriver.